Morgen, allez, Iden, les six soirs aujourd'hui, le Nishmat, François Régiban, Rana, Génine, Rue de Batfort, nous avons fait cloche, nous avons Shalom, et Ishaïa, Ben Inda, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet, Péa, Perigda, Gimel, Mishnah, Dalet. Velecha, Rouvin, Kol, Haro, Inze, Etze, Amar, Aban, Gamliel. Nuagin, Ayu, Batabad, Notnin, Péa, Chat, Les Etim, Shayolem, Bechol, Rouach. Velecha, Rouvin, Kol, Haro, Inze, Etze, Rabbi Eliezer, Ber, Tzadok, Omer, Mishmo. אף לחרובין שהיו להם בכל העיר. Un petit comeback sur la Mishnah Aleph, la Mishnah Gimel, et maintenant on arrive dans la Mishnah Dalet. Le principe, chaque champ est imposé d'une PA. Si tu as deux champs mitoyens qui sont définis comme deux champs, deux entités distinctes, tu ne peux pas donner la PA de l'un pour l'autre. Imaginez que tu as, on va dire, 60 mètres carrés, à gauche, 60 mètres carrés à droite, et tu plantes même des mêmes espèces de blé, tu ne pourras pas donner 2 mètres carrés dans un des deux champs. Tu devras donner nécessairement, pour chaque 60 mètres carrés, un. Parce que les champs, ils sont séparés en deux, et la Torah a insisté lorsque tu fais au coup de Srecham et Kesrecham, le Trelet Péatsadecha, chaque champ, il est considéré comme une entité indépendante qui doit, sur laquelle il faut donner une PA. Tu ne peux pas donner l'un sur l'autre. Et on avait évoqué dans la Mishnah Aleph toutes sortes de choses qui vont scinder le champ en deux. Notamment un ruisseau qui passe, une route qui passe au milieu de ton champ, ça coupe le champ en deux, et tu dois donner une PA pour chacun. On a appris dans la Mishnah Gimel que pour les arbres c'est différent. On a même évoqué la raison pourquoi c'est différent. Pour les arbres, naturellement, lorsqu'on plante des arbres, on les espace d'au moins 8 mètres entre chaque arbre. Alors maintenant tu as de l'espace entre les deux, il n'y a pas de raison de t'empêcher et de faire passer un ruisseau dedans, et de mettre même une piste de roller et de ce que tu veux, c'est pas mon problème, c'est pas grave, de toute façon, t'es sur les champs, il n'y a pas de raison, on va pas considérer la route qui passe entre les deux comme quelque chose qui va interrompre, qui vont scinder les champs en deux. Pour pouvoir couper un verger en deux, il faut nécessairement lui mettre une barrière, et avec même sur ça une condition, une barrière de manière à ce que les branchages au-dessus ne se mélangent pas, parce que si tu as mis une barrière et les branchages se remélangent, lorsqu'on les regarde de loin, on voit que c'est un seul grand champ, et la barrière au milieu, c'est juste une décoration, mais elle n'a pas de fonction de barrière de séparer en deux, parce que tu vois bien que tout se mélange en même temps. Donc tout ça, c'est considéré comme un grand champ, tu laisses une paire. Ça, on avait appris pour les arbres classiques. Un arbre classique, c'est un arbre qui pousse sur une certaine qui se développe, en s'étalant plus ou moins autour de lui, mais de manière modeste. Il faut savoir qu'il y a des exceptions à la règle. Quelques exceptions, en fait. C'est d'une part les charouvines, les arbres du carreau et les caroubiers. Le caroubier, on en trouve de manière sauvage, qui pose à Yerushalayim, c'est sûr qu'il y a des caroubiers et des figuiers, très facilement, on en trouve dans n'importe quel, dès qu'on va dans n'importe quelle randonnée autour d'un fleuve, on va voir là-bas, naturellement, il va y avoir toujours des figuiers, des caroubiers, et à la zanatra, la route vache, ça pousse, il y a des beaux fruits qui poussent naturellement en Israël. Et il y a donc le caroubier et le figuier, et bien qu'on ne va pas évoquer le figuier, mais je vous le dis quand même, c'est le même principe, c'est des arbres qui fournissent une tonne de branches. Ils s'étalent énormément. Et surtout le caroubier encore plus. Ils s'étalent énormément. On le connaît bien le caroubier, si vous vous rappelez, il y a longtemps qu'on étudiait les Maserhet Baba Batra, on évoquait sur le charouv et le charouv et shikma. C'était les deux, le caroubier et le figuier. Ils fournissent beaucoup de branches et beaucoup de fruits. Du coup, naturellement, lorsque tu fais pousser des caroubiers, tu les étales encore plus. Tu les laisses pas juste avec 16 amas, 8 mètres d'espace. Tu les espaces encore plus. Et du coup, il s'avère que maintenant, les caroubiers, puisque naturellement on les laisse, on leur donne toute la place qu'il faut, comme ça ils peuvent s'épanouir au maximum et donner des fruits parfaits. Alors, dans ce cas-là, selon le même principe, plus naturellement on plante les arbres en les espaçant, plus le fait qu'il soit espacé et donc qu'il y ait des choses au milieu qui vont interrompre, qui vont apparemment scinder le champ, n'ont aucune valeur, ne sont pas considérés comme des choses qui interrompent les champs. Vous avez compris l'idée? Ça veut dire, les légumes, tu les plantes, tout doit être condensé. Tu laisses une bande au milieu, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as séparé ton champ en deux. Les arbres, tu les espaces. Tu les espaces, dans ce cas-là, si au milieu il va y avoir une petite rivière, un petit ruisseau, ça n'interrompt pas. Une barrière, ça l'interrompt. Les caroubiers, qu'il faut naturellement les espacer encore plus, même une barrière ne va pas les interrompre.
Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va considérer comme un même champ de Karoubier? Il faut juste une chose. Kol she ro'in ze et ze. Tant que un, il voit l'autre. D'un, tu vois l'autre, c'est considéré comme un seul champ, même si au milieu, tu as mis tout ce que tu veux. Tu as laissé, t'as mis un ruisseau, on fait du surf, on fait d'accord, et des routes de voitures. Tant qu'il y en a un qui voit l'autre, tout ça, c'est considéré comme un seul champ de Karoubier, même s'il y a plein d'interruptions au milieu. Donc, ok, c'est la première phrase de la Mishnah. Vele Charouvin, pour le Charouv, donc les Karoubiers, eh bien, Kol Haro'in Zeze. Tant qu'il y en a un qui voit l'autre, c'est bon, ils sont considérés qu'ils sont un même champ, même s'il y a plein d'interruptions au milieu, il y a des lieux de passage public avec une rivière au milieu. D'accord? Sur ça, maintenant, on a Rabban Gamliel qui va nous donner deux précisions. Amar Rabban Gamliel, il nous dit Rabban Gamliel, Nohagin Ayu Bet Abba. Dans la maison de mon père, Rabban Gamliel, c'était descendant, c'était les Nessim, c'est la famille des princes depuis Hillel HaZaken. Alors, on avait une masorette chez nous, on avait une transmission chez nous, depuis d'ailleurs mon père, que Notnin Peahat Lazetim Shayulaem Bechol Roach. Sache que lorsqu'il y avait la ville, il y avait les quatre points cardinaux, ouais, et on avait là-bas des arbres, des oliviers. Et bien sache que pour les oliviers, on laissait pour chaque Roach, pour chaque point cardinal, c'est-à-dire tous les arbres qui étaient au nord, tous les arbres qui étaient au sud, tous les arbres qui étaient à l'est, pour chacun, on laissait une PA uniquement. Il y avait énormément d'espace au milieu, il y avait des routes qui passaient, les arbres ne se voyaient pas forcément tout le temps, mais on savait que tout ça, c'était les arbres de Rabban Gamliel, ou de la famille du père de Rabban Gamliel. Et là-bas, donc, tout ça, c'est considéré comme un seul champ d'arbres, un seul champ d'oliviers, et on laissait juste une PA pour tous les oliviers, même si les oliviers, ils n'étaient pas dans un même périmètre, et on ne les voyait pas d'un à l'autre. Même sur ça. Parce que, alors là, il faut arriver dans une autre définition, c'est d'expliquer que les oliviers, ils ont un nom, c'est des arbres tellement importants, on aime tellement les olives. Vous avez imaginé, à l'époque, on n'avait que l'huile d'olive comme huile normale, il n'y avait pas l'huile d'olive. L'olive, c'était la base de tout, en fait. De toute la salade qu'on voulait, c'était avec de l'olive. Tous les allumages de Nero, c'est avec de l'huile d'olive. Constamment, l'huile d'olive à toute sauce. Du coup, ils ont une chachivout, ils ont une importance, que même lorsqu'ils ne se voient pas, on sait que non, ça c'est les arbres de Rabben, de la famille de Rabben Gamliel, ça c'est les arbres de Reuven, ça c'est les arbres de Shimon, et même lorsqu'ils ne se voient pas, tout le monde, dans notre tête, on le considère comme un seul grand champ, même s'ils ne se voient pas. Et donc on laissait une PA, mais malgré tout une PA à chaque point cardinal. Par contre, et pour les Charouvin, par contre, on faisait attention à ce qu'un voit l'autre, comme on avait expliqué, selon le premier avis. Sur ça, on a maintenant Rabbi Eliezer Barabbi Tzadok au maire Mishmo. On a Rabbi Eliezer Barabbi Tzadok qui me dit au nom de Rabbi Gamliel que non, ce n'était pas ce qui se passait, c'était bien pire. Af le Charouvin Shayulem Bekol Ha'ir. Même pour tous les Karoubiers qu'ils avaient dans toute la ville, même si ils ne se voyaient pas, c'est-à-dire on ne pouvait pas se voir d'un à l'autre, malgré tout, ils avaient aussi une importance qu'on leur laissait une seule PA et avec un autre rideau supplémentaire que pour les arbres, pour les oliviers comme pour les Karoubiers, eh bien. On laissait une PA même si, lorsqu'ils ne se voyaient pas, et une PA même s'ils étaient au quatre points cardinaux. C'est-à-dire, je reprends maintenant calmement, on explique. On se concentre sur les oliviers et les caroubiers. C'est les deux choses qu'on évoque. Selon le premier avis de la Mishnah, les oliviers ont le même statut que n'importe quelle arbre, ça dépend s'il y a une barrière ou pas. S'il y a pas s'il y a une barrière, c'est séparé en deux. Les caroubiers, qui sont beaucoup plus denses, ou qui s'étalent beaucoup plus, pour les caroubiers qui s'étalent beaucoup plus, alors là, on laisse tant qu'ils se voient un à l'autre, même s'il y a au milieu des barrières, ça ne les interrompt pas. Mais il faut malgré... Maintenant, bien Rabban Gamliel me dit, attends, moi je te précise autre chose. Les oliviers, à cause de leur importance, que c'est des arbres très importants, même s'ils ne se voient pas du tout, même s'ils sont très étalés, sans se voir, il y a plein d'interruptions, tout est considéré comme un seul grand champ d'oliviers. Mais tu laisses une PA pour chaque côté. Et les caroubiers, c'est comme ce que toi t'as dit, t'as un karma, tant qu'ils se voient d'un à l'autre. Vient le dernier avis, elle me dit non, les caroubiers, comme pour les oliviers, ils sont tellement importants que là où ils sont, de partout où ils sont, tu laisses un pour toute la ville, même si c'est aux quatre points cardinaux complètement différents, tu laisses un pour tout. Un coin de PA pour tous, parce que tout le monde sait que toi tu cultives des oliviers qui sont étalés, alors tu en as un petit peu dans le nord de Jérusalem, un petit peu dans le sud de Jérusalem, mais tout ça c'est ton grand champ d'oliviers, tout ça, et donc ça suffit de laisser une PA pour tous. Pour les oliviers, comme pour les caroubiers, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, j'ai une journée pleine de Hatzlacha comme tout, c'est là.